Bonjour, vous êtes sur le point de regarder une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une de mes compos mais jouée par un orchestre, un véritable orchestre. Donc c'est un truc de fou. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo qui est sortie précédemment et qui s'appelle sûrement Composition Marche Aubiéroise, où je présente le contexte justement. Donc là, ce que vous allez regarder, c'est le concert des 30 ans de l'harmonie aubiéroise qui m'a commandé ce morceau. J'étais là pour présenter un petit peu la pièce et donc vous verrez un petit peu comment ça a été rendu. Donc vous verrez, le rendu n'est pas forcément le même puisque évidemment c'est des musiciens qui l'ont joué, qui ont des niveaux pas toujours pro. Il y a des jeunes hein, en formation qui ont joué ça. En plus de ça, il y a eu des... Au niveau de la partition, j'aurais pu améliorer les choses pour que la partition soit plus claire. Je pense notamment à la batterie voilà, qui manque cruellement du coup à cette représentation. Donc désolé, mais je ferai mieux par la suite. En tout cas, vous avez une vision de ce que ça a rendu. Et puis j'étais très fier et très ému d'être là et de voir ça. Parce que franchement, je connais des compositeurs qui, comme moi, aimeraient bien voir ces morceaux joués par un vrai orchestre. Et ben moi, j'ai eu cette chance. Vous verrez donc cette vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, sachez juste que c'était un moment très important pour moi. J'étais très fier que ça arrive. Laissez un commentaire, j'aime toujours lire vos commentaires, je vous fais des gros bisous et j'espère vous voir nombreux et nombreuses pour la suite des vidéos de la chaîne. A plus. Alors pour le prochain morceau, on a la chance d'avoir un compositeur vivant. C'est rare, de nos jours. Et en même temps, dans la salle. Bon là, il est en train d'ajuster sa caméra. Il est mécanicien, photographe, cinéaste et compositeur. Donc le prochain morceau s'appelle la marche aubiéroise. Et je laisse la parole au créateur, que dis-je, au créateur. Oui, c'est ça. De parler de sa propre pièce. Bonjour, bonjour tout le monde, merci d'être ici. Moi je suis très content d'être là puisque c'est moi qui ai composé l'œuvre que vous allez entendre ici. Enfin l'œuvre, c'est un bien grand mot. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Clément Barouin. En plus de mon activité, j'anime une chaîne YouTube, sur YouTube où je fais des vidéos qui décryptent un peu les musiques symphoniques, notamment les musiques de films. Mais je fais aussi des compositions pour des projets divers et variés, notamment pour cet orchestre qui m'a contacté, et ça a été un grand plaisir pour moi, puisque c'est la première fois en fait qu'une de mes compositions va être jouée par un vrai orchestre. Alors du coup c'est un petit bout de début de rêve qui commence à se réaliser, c'est pour ça que je suis un peu intimidé là, mais je suis super heureux. Pour parler rapidement de la pièce, quand elle m'a été commandée, on avait voulu une pièce entraînante, dynamique, enjouée pour célébrer ses 30 ans de l'harmonie. Et donc j'ai écrit ce thème que vous allez entendre, qui est un peu syncopé, donc en contre-temps, histoire de dynamiser l'ensemble. Et puis en fait après, je me suis juste laissé porter par mon inspiration, et c'est pour ça que vous allez entendre vers la fin du morceau, ça, le ton change un peu, mais je me suis laissé libre cours à ce moment-là. Pour terminer, je le redis, moi je suis très content d'être ici, et je vais remercier tous les musiciens, je ne l'ai pas fait hier soir quand je vous ai vu. Merci beaucoup de jouer ce que j'ai écrit. Merci à l'orchestre qui m'a commandé le morceau, et puis merci à vous qui allez l'écouter. Voilà, donc je souhaite encore un très bon anniversaire à l'harmonie, et voici la marche aubiéroise.